D'où est-ce que tu viens? Bonsoir, chérie. D'où est-ce que tu viens à cette heure de la nuit? D'où? C'est quoi cette question? Je sors du bureau, bien sûr. Quel bureau? Le bureau ferme à 17h. Regarde l'heure. Regarde l'heure à laquelle tu rentres. Chérie, voyons, j'ai été retenue par les embouteillages. Tu sais comment il y a les embouteillages à l'école. Espèce de menteur. Quel embouteillage? Quel embouteillage? Tu es le seul à travailler? Es-tu le seul à travailler? Tu penses que je suis stupide? Tu crois que tu ne sais pas que tu allais voir cette idiote, cette poufiasse là-bas dehors? Quelque chose ne va pas avec toi, c'est quoi le problème? Que veux-tu dire par qu'est-ce qui ne va pas avec moi? Espèce de menteur! Regarde l'heure à laquelle tu rentres! Regarde, 20h30, c'est l'heure à laquelle tu rentres! Espèce de canaille! Laisse-moi la sentir! Qui es-tu allé voir? Qui es-tu allé voir? Où es-tu allé? Parle-moi! Laisse-moi passer! Où es-tu allé? Tu ne vas nulle part! Où es-tu allé? Réponds-moi! Tu dois me dire! Qui es-tu allé voir? Allez, commence à parler! Parle! Espèce d'homme sans vergogne! Oh, tu veux me frapper? Tu veux me frapper à cause d'une poufiasse? Vas-y, vas-y, tu veux me frapper? Frappe-moi! Frappe-moi, allez, frappe-moi! Frappe-moi! Allez, frappe-moi! Tu veux me frapper à cause d'une poufiasse? Allez, vas-y, frappe-moi! Hé, hey, chérie? Où est ma nourriture? Quoi? Ma nourriture? Quelle nourriture? Tu penses que je suis stupide? Tu penses vraiment que je suis stupide? Donc après t'être mal conduit, tu reviens et espères que je te serve? Il faut me manger. Viens me manger. Retourne la voir et demande-lui à manger. N'importe quoi. De quoi parles-tu? Après m'être mal conduit? Autorisé à toucher à ma marmite? Qui a dit que tu pouvais te servir? Qui t'a autorisé à toucher à ma marmite? Pourquoi l'as-tu fait? Qu'est-ce que tu fais? Hey! Pourquoi tu es allé dans ma marmite? Pourquoi n'as-tu pas attendu que je te serve? J'ai demandé à manger, tu as refusé de me servir. Qu'est-ce que tu voulais eh que bien, je fasse? Tu aurais dû me supplier. C'est ce qu'un bon mari aurait fait. T'es supplié? Oui. Pour manger chez moi? Attends, tu sais quoi? Qu'est-ce que tu fais? Je te parle et tu t'en vas. Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu touches à ma marmite? Je m'adresse à toi et tu t'en vas. Hein? C'est à toi que je parle. Pourquoi je suis allée dans ma marmite? Qui t'a demandé de te servir? Qui t'a demandé de toucher à ma marmite? C'est bon, arrête, s'il te plaît. Je veux faire l'amour. Oh, c'est bon, arrête. Tu veux faire quoi? Faire l'amour. Oh, je t'en prie, lâche-moi. J'ai pas de force, je t'en prie. J'étais là tout ce temps, tu ne m'as même pas permis de me reposer. T'étais là à me harceler, à bavarder, et maintenant tu veux faire l'amour. Je t'en prie, je veux dormir, je me reposer. Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Pourquoi tu... Ce qui va pas avec moi, c'est que je suis fatigué, je suis crevé. Pourquoi tu es fatigué? Je suis fatigué parce que depuis que je suis rentré, je ne me suis pas reposé. Tu n'arrêtes pas de râler, tu râles, tu râles, tu râles, tu râles, et maintenant tu veux faire l'amour. J'ai envie. Je veux faire l'amour, je ne sais pas de quoi tu parles. Oh, c'est bon, arrête, s'il te plaît, je dois aller au boulot très tôt le matin. Arrête, je veux dormir. Tu es le PDG, tu peux aller au bureau à n'importe quelle heure. Mais je peux pas dormir quand je veux au bureau. Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Laisse mon doudou, laisse mon doudou. Ne touche pas à mon doudou. Oh, donc tu as subitement perdu ta force. C'est ce que tu essayes de me dire, que tu n'as plus de force. Quand c'est moi qui veux, tu es subitement fatigué. Je t'ai dit que j'ai pas de force, tu veux faire? Tu veux faire? Tu veux oui. faire, c'est ça? Ok, vas-y, viens. Je vais me coucher là comme un morceau de bois. Allez, qu'est-ce que tu attends? Vas-y, viens, viens, viens.
C'est quoi toutes ces conneries maintenant? Où es-tu allé finir ta force? Maintenant, tu m'entends, tu es fatigué. Nous allons le faire. Ok, reste comme ça. Mais qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Allez, vas-y. Mais qu'est-ce que tu attends? Vas-y. Yo, mec, comment ça va? Mike. Alors, ça va? Ah, je vais bien, mec. Mais où est-ce que tu t'es passé, toi? Mais qu'est-ce qu'il y a, mec? Tu n'as pas l'air OK. J'espère que tu ne te surmènes pas, hein? Moi, je vais bien, mais là, il s'agit de ma femme. Cette fille veut tout simplement me tuer avant mon heure. Tu te rends compte, j'ai même pas pu dormir cette nuit. Elle n'arrête pas de râler. J'ai l'impression qu'elle veut que je meure. Tu sais quoi, Mike? Je suis fatigué de ce mariage. Je veux juste en sortir. Non, allons. Tu sais, le mariage n'est pas vraiment un fleuve tranquille, mec, ok? Je pense que ce que tu as à faire, c'est de l'appeler et de t'asseoir avec elle pour lui parler du fond de ton cœur. Tu vois? Et justement, il faut l'amener à comprendre que tu n'apprécies plus du tout ça. Mike, je l'ai fait plusieurs fois. Elle ne veut pas changer. Elle reste la même, toujours en train de me harceler. Tu sais combien de temps j'ai déjà été marié? Ouais. Déjà 5 ans maintenant, et pas encore d'enfant. Elle a cette 2e fausse couche. Pourquoi? Parce qu'elle ne se repose pas chaque fois qu'elle est enceinte. Reste assise et se reposer. Non, elle va râler, lutter pour toi et se plaindre surtout. La vache, j'en ai plus cassé. Nelson, je veux que tu comprennes que le mariage est fait de haut et de bas. D'accord? Il faut une bonne dose de patience, de maturité et de sacrifice. Tu comprends? Je pense que tu dois être plus patient et plus tolérant envers elle. Elle finira pas changer finalement. Mike, tu peux pas comprendre. Je pense pas que ce soit possible. Elle ne changera pas. Je sais exactement de qui je parle. Elle ne changera pas. Attends. N'avais-tu pas remarqué tout cela quand vous vous fréquentiez auparavant? Tu sais, j'ai toujours su qu'elle était une amante jalouse, mais je pensais que quand nous nous marierons, elle va changer, tu vois le truc? Car elle m'aurait et elle se sentirait plus en sécurité, mais non. Elle n'a complètement pas d'assurance. Complètement. La situation s'est empirée une fois que nous nous sommes mariés. Tu sais comment les femmes se comportent. Elles essaient toujours de protéger leur territoire. Eh ben moi, je pense qu'elle se protège son territoire. Écoute, man, je suis fatigué, je veux juste me reposer. Je peux me reposer dans ta chambre un moment? Ok, pas de problème, mec. Vas-y, mets-toi à l'aise. D'accord, merci. Non, pas de quoi, mec, y a pas de souci. Mais dépêche-toi, j'ai un petit rendez-vous tout à l'heure. Donc dépêche-toi. Femmes et leurs problèmes. Ma chérie, regarde comment tu brilles. C'est toi qui brilles comme ça? C'est mon nez. Ça fait longtemps. Comment tu vas? Je suis là-haut. Mais personne ne te voit. Tu te fais rare, tu te caches. Regarde qui parle. Regarde qui parle. C'est toi ou c'est moi qui te fais rare? Qu'est-ce qui se passe? Tu ne peux pas rendre visite aux gens? Ça alors? Ne te fâche pas. Ne sois pas énervée. Tu sais que je suis mariée, non? Je veux dire, tu le sais, non? Je dois prendre soin de mon mari, je dois être à ses côtés, je dois prendre soin de moi pour mon mari, je dois vraiment très bien m'arranger pour mon mari. Donc, tu es la seule à être mariée dans ce monde. Tu es la seule femme mariée dans ce monde, n'est-ce pas? Ne te fâche pas, ça va aller. Je vais bien. Tu veux quelque chose à manger? Oui, pas de problème, je vais manger. Ma chérie, la manière dont tu brilles, regarde toi-même comment tu brilles. Tu profites seule de l'argent de ton chérie, mari. Chérie, s'il te plaît. Pas étonnant que plus personne ne t'a revue. Quel genre? Pardon, laisse tomber. Quel argent? Alors que je suspecte mon mari de dépenser son argent sur une idiote là-dehors. Le jour où je vais attraper cette fille, le jour où je vais attraper cette connasse, je vais la presser, je vais la battre comme du n'importe quoi. Quand je vais attraper cette fille, ils ne me connaissent pas. Es-tu sérieuse? Donc ton mari a une maîtresse? Comment l'as-tu découvert? Est-ce que tu parles en te basant sur des preuves ou pas? Tu les as vues? Des ou évidences. Alors, tu le dis juste. C'est mon intuition qui me l'a dit. Et mon intuition ne me trompe jamais. Le jour où je vais attraper cette connasse, je vais la frapper. Je vais presser son cou comme ça. Calme-toi d'abord. Calme-toi. Ils ne me connaissent pas. Attends. Donc, tout ce show que tu fais là, tout ce cinéma que tu fais basé sur l'intuition, de quoi parles-tu? Donc, tu es en train d'accuser ton mari en te basant sur ton instinct? C'est ce que tu es en train de faire. Tu ne sais même pas s'il le fait. Tu as juste un pressentiment et pourtant tu es déjà en train de l'accuser?
Veux-tu détruire ta relation de tes propres mains? Je ne comprends pas. Pourquoi est-ce que ce ne serait pas vrai? Ma chérie, tu es censée me donner des solutions et tu me racontes des conneries. Quel genre de solution? Tu dois faire confiance à ton mari et ça, ce n'est pas bien. Toute relation durable doit être basée sur la confiance. Une totale confiance. Confiance? Oui. Faire confiance à un homme. Oublie ça. Pardon, moi. Faire confiance à un homme. Qui fait confiance à un homme? Je vais mourir, je vais me battre, je vais même tuer. Celle qui s'approche de mon mari, je lui brise la nuque. Ma puce, laisse-moi te dire quelque chose. Tu veux savoir la vérité? Cette affaire, c'est pas la force. Oh. Cette histoire de force que tu fais là maintenant. Et t'es sûr que tu ouvres pour tout contrôler? Ça ne marche pas comme ça dans le mariage. Oh. Tu ferais mieux de te calmer. Pardon, tu es censé me soutenir. Avant que tu détruises ton mariage toi-même, tu veux d'abord casser le crâne de quelqu'un? Sais-tu ce qu'il y a dans le crâne de la personne que tu veux briser? Je ne saurais quand j'aurai brisé. Je ne suis pas là-haut. Je ne suis pas là. Je ne saurais. Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu as? Il y a quoi? Regardez ma chérie. C'est ça même. Tu veux aller casser la tête de quelqu'un? C'est la police qui va t'appeler. Ne m'appelle pas. Et on se concentre sur nous parce que c'est pour ça que tu es venu ici. Laisse-moi ma belle aller approcher. Voilà. Alors, dis-moi ce que tu as apporté. Je t'ai apporté moi-même. Oh, tout ce que je vois là. Oui. Alors, regarde bien. Tout ce que tu vois là. Vraiment. Oh, alors on va s'occuper de ce petit coupeau de bien et on va. Oh, mon jus, mon jus. Allons donc découvrir le paquet. Ouais. Tu as appelé mon mari hier soir. Oui, c'est sa femme qui te parle. Chérie, si je t'attrape, tu ne peux que te cacher. Tu ne peux que te cacher. Mais si je t'attrape, je vais te tuer. Oui, tu m'as entendu. Espèce de voleuse de mari. Mais qu'est-ce qui te prend? Pourquoi tu parles de la sorte à l'un de mes contacts? Flash info. J'ai mis en garde ton stupide contact. Je lui ai dit que si je l'attrape, je vais la tuer. Et je le pense. T'es folle ou quoi? T'es malade? C'est toi qui es malade. Toi, espèce d'enfoiré. Pourquoi as-tu une liaison? Ne suis-je pas assez bien pour toi? Espèce de malade. J'ai pourtant pas aucune de tes scènes de délire. Qui est? C'est toi qui as des scènes de délire. C'est toi et moi dans cette maison. Espèce de bouc. Tu ne peux pas rester avec ta femme. Si j'attrape cette fille... Ah, bébé, je veux... Bébé. Où est-il allé?
Écoutez, madame, vous allez apprécier nos services. En réalité, nous excellons dans ce que nous faisons. C'est pas un problème si vous voulez qu'on parle de ça. Il n'y a pas de problème si ça vous dérange pas, nous pouvons déjeuner et en parler ensemble. D'accord, vendredi à 14h. D'accord, c'est super, vendredi à 14h, c'est parfait. D'accord, madame. Merci beaucoup. Bye bye. Pourquoi es-tu parti du salon? Mauvais réseau, et je suis sorti parce que j'avais un appel important à passer à une cliente importante. Je peux le voir. Mauvais réseau. Quel est le problème? Je sais que tu me caches quelque chose. Je ne sais vraiment pas ce que c'est, mais je finirai par le C'est quoi ton problème? Je peux plus être libre dans ma propre maison et marcher n'importe où je veux et répondre à mes appels où je souhaite répondre? Tu fumes juste partout. Quel est son problème, putain? Jessie, nous attendons depuis plus de 10 minutes. Peux-tu s'il te plaît appeler notre frère? Je vous ai dit que mon mari n'a pas le temps de recevoir des invités. Rentrez chez vous. Allez vous marier. Restez chez vous. Trouvez un endroit où rester. Arrêtez de venir ici. Mais qu'est-ce que tu racontes? Tu nous appelles visiteurs dans la maison de notre frère? Qu'est-ce qui se passe-t-il? Bienvenue, grand frère. Bienvenue. Comment vous allez? Bien, merci. Nous n'allons pas bien. Qu'est-ce qui se passe-t-il? J'ai dit à tes sœurs que nous n'étions pas prêts à recevoir des invités, que nous étions occupés et que nous avons besoin de temps pour nous-mêmes. Mes sœurs sont venues pour me rendre visite et tu essayes de les chasser? Qu'est-ce qui tourne pas rond chez toi? Qu'est-ce que tu essayes de faire? Non mais attends, t'es sérieuse là? Elles sont venues pour me rendre visite. En réalité, tu dois les accueillir. Est-ce que tu essayes de m'embarrasser devant tes sœurs? Ça veut dire quoi toutes ces conneries? Je ne t'embarrasse pas, bébé. Parce que mon frère a épousé Miss Mond, il doit nous abandonner. Il ne doit plus nous parler, c'est ça? Écoute, Jessie, tu es juste une femme au foyer ordinaire. Nous avons tous le droit de rester ici aussi longtemps que nous le souhaiterions. Bam! Écoutez, arrêtez ça. Je vous laisserai pas parler à ma femme de la sorte, compris? Je vous laisserai pas lui manquer de respect. Non, laisse qu'elle m'insulte. Allez-y, frappez-moi. Tu vois? Tu vois bébé. Tes sœurs? Frappez-moi! Ça va. Voilà ce que tes sœurs font, ces espèces d'effrontées mal élevées. Ces vieilles filles qui ne veulent pas se marier. Assez! Qui est mal élevée? Ne mal élevée, je t'en prie. Ne les traite pas de mal élevées. Hé! Grand frère! En vérité, c'est parce que je te respecte. Sinon, je saurais quoi faire de cette femme insolente, inutile, sans ampleur et sans classe. Je vais arrêter. Et calmez-vous, arrêtez. Grand frère, laissez-vous la sauver. Grand frère, laissez-vous la sauver. Sortez. Allez, mes filles, je vous en prie. Allez-y, rentrez. Allez-y. Dites à maman pour parler. Allez-y. Allez, partez. Allez-y, rentrez, s'il vous plaît, rentrez. Allez, allez-y. Juste un moment que j'arrive. Nelson! Bébé, est-ce que tout va bien? Tu me demandes si tout va bien. N'arrêtes-tu pas que je me suis fait mal? Qu'est-ce que j'ai fait cette fois? Qu'est-ce que tu as fait? Je sais que tu l'as fait intentionnellement.
Bébé, je n'ai aucune idée de ce que tu parles. Mon téléphone sonne même. Oh! Aide-moi, tu es juste placé là. Quel genre de mari es-tu? S'il te plaît, voyons, je suis désolé. Je suis navré, lève-toi. Prochainement, il faudrait faire attention. Il faut faire attention. Ne peux-tu pas me toucher? Ne peux-tu pas me masser? Ne vois-tu pas qu'il est mal? Ok, calme-toi, je vais t'amener à la chambre et je vais te donner des calmants, d'accord? Non, je ne veux pas de calmants. Je veux que tu me masses. D'accord, ça va, calme-toi, allons dans la chambre. D'accord, c'est bon, calme-toi, allons dans la chambre. Pourquoi y a-t-il de l'eau partout? Chérie, j'en sais rien. Attends, doucement. As-tu versé de l'eau au sol? C'est toi qui l'as fait. Allez, allons-y. Salut, chérie. Comment te sens-tu? J'espère que la douleur a diminué. La douleur n'a pas diminué. Tu vois toute la douleur que tu me fais vivre? Voyons, bébé. Qu'est-ce que j'ai fait? Tu sais quoi? Je sais que tu seras plus capable d'aller en bas pour te faire un repas, alors je t'ai préparé quelque chose de vraiment délicieux. Tu es sérieux? Ouais. Oh, c'est vraiment délicat de ta part. Cela me fait penser à quand tu m'aimais encore. Tu sais à quel point je t'aime, n'est-ce pas? Non, je t'aime encore plus. Et oh, voyons, je t'aime beaucoup plus. Non, d'accord, je t'aime encore plus. Tu veux que je te montre, hein? Je t'aime plus, non. Particulièrement ses lèvres. Chaque fois que je regarde ses lèvres, c'est comme si... Tu sais, chaque fois que je regarde ses lèvres, elles ont l'air succulentes. J'ai juste... Allez, viens, là. Laisse-moi goûter ça. Tu sais, je sais pas ce que je ferais sans toi. Rien du tout. Quoi? Mm-hmm. Je pensais pas à ça, de la sorte, ne te prends pas je pour la tête. Je pensais, rien du tout. Rien? Oui. Donc tu penses que tu m'as eu, c'est ça? Oui, en effet, j'étais... Oh, je vois, t'en fais pas. Je me mets pas avec des petites filles, tu sais. Tu sais ça? Oh, voyons bébé, je t'aime toujours. Je t'aime toujours, c'est juste que tu n'arrêtes pas de me repousser. Non, tu ne m'aimes plus. Je ne ressens plus ton amour. Eh ben, c'est parce que tu as décidé d'être aveugle. Regarde, regarde bien, rien n'a changé. Ah. Il y a quoi, bébé? Ah, mes fesses. Oh, je suis navré. Tu sais quoi, moi, je suis en nourriture et je masserai tes fesses après, d'accord? Exactement ce dont j'ai besoin. Ça va aller. Merci. Il n'y a pas de quoi. Il faut manger. Ah. Je vois que tu as vraiment mal. Ah, oui. Je me suis cogné les fesses au sol. Ça fait vraiment mal. Oh, désolée. As-tu pris des calmants pour ça? Tu me connais, non? Je ne prends pas tous ces médicaments. Ça va aller. Je vais juste faire des massages et la douleur va passer. Oh. Tu comptes supporter la douleur et continuer les massages jusqu'à ce qu'elle parte? Et pourquoi ne prendrais-tu pas juste tes calmants pour t'aider à soulager ta douleur? Thelma, ça va aller. Oh, en passant, qu'est-ce qui a causé ça? Comment as-tu fait pour cogner tes fesses au sol? Mon mari, il a intentionnellement versé de l'eau au sol pour que je tombe. Comment peux-tu dire ça? Pourquoi ton mari voudrait te faire du mal délibérément? Pourquoi? Il a intentionnellement versé de l'eau au sol. C'était un piège. Tout ça parce que je le soupçonnais avec son téléphone. Tu voulais prendre son téléphone? Pourquoi as-tu d'abord voulu prendre son téléphone? Pourquoi? Mais parce que je le soupçonnais. Je voulais trouver ce qu'il me cache. Et as-tu réussi? Non. Tu n'as pas réussi. Par contre, tu as fini par te faire du mal. Maintenant, c'est toi qui as mal. Pourquoi ne peux-tu pas juste laisser cet homme tranquille? Laisse-le un peu respirer pour l'amour de Dieu. Le laisser tranquille? Mais est-ce que tu t'entends? Je crois que tu étais une bonne amie. Ok, je devrais le laisser tranquille pour qu'une idiote me l'arrache. Ma chérie, crois-moi, il n'y a aucune fille idiote qui va t'arracher ton mari. C'est plutôt toi qui manques d'assurance et qui a besoin de grandir. Sérieusement. Regarde-toi maintenant. C'est toi qui te tords de douleur. Regarde, parce que tu as voulu prendre le téléphone. Désolée.
Merci. Veux-tu que je t'aide à faire quelque chose? Aller te prendre quelque chose en bas? Je veux juste que tu viennes me masser. Hey Nelson. Hey, salut Caro, comment salut, tu vas? Salut, bien, bienvenue. Bien, s'il te merci. Plaît, entre. Merci. Où est Mike? Il est à l'intérieur. Mikey? Yo, mais alors, comment ça va? C'est comment? Ah, je vais bien, merci. Ouais, ça va. Assieds-toi. Merci, Caro. Bébé? Je suis dans la chambre. D'accord, merci. Oh. Alors, comment tu vas? Écoute, mon frère, tu es vraiment chanceux d'avoir une femme compréhensible comme Caro. Crois-moi, mec, tu sais que je devais prendre mon temps pour l'observer. Le mariage, c'est quelque chose qui dure éternellement, donc je suis heureux comme tu l'as dit. Mec, si j'avais su, j'aurais vraiment pris tout mon temps. Je ne me serais pas jeté pour essayer. En fait, j'étais tellement aveuglé par l'amour que j'avais pour elle, j'ai pas pu voir son côté négatif. J'ai pas pu voir son côté négatif. Oh, merci, oh, chef. Merci, Caro. Merci. Merci, ma puce. Merci. J'ai dû être patient, je te le dis. Tu sais, tu dois arrêter de t'en vouloir à ce sujet. Tu dois juste essayer de causer avec elle. Je te jure qu'elle peut changer, je t'assure. Mon frère, la situation ne s'améliore pas. Elle s'empire tous les jours. Elle est toujours en train de fouiner partout, fouiller dans mon téléphone. L'autre jour, j'ai dû la piéger. Et Dieu merci, elle est tombée dans mon piège. Elle a frappé ses fesses au sol. Oh non, 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 tu n'aurais pas dû faire ça. J'aurais pas dû faire quoi? Mais et si elle s'était cognée la tête au sol? Mais qu'est-ce que tu racontes? Elle aurait pu se faire très mal. Je t'en prie, mec. Elle aurait pu avoir une blessure. Mais tu peux pas t'imaginer le genre de trouble que cette femme me cause. Tu comprends pas de quoi je parle? Vraiment? Tout ce qui peut me permettre de l'empêcher de fouiner partout ou de dépasser les bornes est vivement recommandé. Je te le dis. Non, mec, tu dois faire attention, tu sais. Je ne peux pas soutenir ce genre de choses, crois-moi. Bon, frère, c'est moi qui vis le calvaire. Crois-moi. Eh ben, je pense que tu dois être juste tolérant et patient envers elle, c'est tout. Laisse tomber la tolérance. Je sais de quoi je parle. Je sais, je vais réfléchir à la situation. Ah, c'est quoi tous ces bruits chez moi? Qui est-ce? Qu'est-ce que vous voulez? Où est notre frère? Vous ne savez pas rester chez vous? Qu'est-ce que vous voulez? Quel frère? Notre frère. Qu'est-ce qu'il y a? Si tu n'es pas sourde et stupide, je suis très sûre que tu connais la réponse à cette question. Oui. Comment oses-tu de ta misérable vie ouvrir ta sale bouche pour m'insulter? Tu es malade? Votre frère n'est pas là. Je vais vous frapper toutes les deux. Qu'est-ce qui ne va pas avec vous? Regarde-moi cette chose. Ma sœur, tu viens juste de nous insulter là. Dans la maison de notre frère, tu nous insultes. Ma sœur, fouette-la. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu nous insultes? Oui. Je sais ce que je vais te faire. Je vais personnellement m'assurer que tu te fasses expulser de cette maison. Oh, tu rêves. Allez, sortez. Hey. Tu seras misérable. Fais-moi confiance à ce sujet. Allons-y. Allons-y. Ma sœur, ne t'occupe même pas de cette folle. Je suis certaine que le chauffeur n'est pas là. Allons-y. Il n'est pas là, je suis sûre. Sortez. Allez, sortez. Allons-y. Oui, partez. Nous devons la taper. Personne ne me fera sortir de la maison de mon mari. Personne ne me fera sortir d'ici. Mettez-vous dehors. Partons. Partez. Pas. Si ce n'était à cause de mon frère, je t'aurais tapé. Partons pas. Idiote. N'importe quoi. Il faut venir me faire partir d'ici. Je vous attends ici. Bébé. Ouais. Sincèrement, j'aime vraiment beaucoup ma bague de fiançailles. Merci beaucoup. Je suis heureux qu'elle te plaise. Et j'ai beaucoup dépensé pour ça, tu sais. Bien sûr, je sais. Bébé. Alors, quand est-ce que le mariage aura lieu?
J'essaie juste de régler deux, trois choses et quand ce sera fait, je te tiendrai au courant, d'accord, ma chérie? Merci. Crains-moi cela. Mais bien sûr. Bébé. Je suis vraiment désolée pour Nelson. Avec le comportement de sa femme, j'espère qu'il n'aura pas une crise cardiaque. Crois-moi, je ne sais vraiment pas pourquoi elle se comporte de la sorte envers lui. Moi, je pense que c'est un manque d'assurance, tu vois. Tu crois? Oui, effectivement. Je pense sincèrement que quelqu'un devrait la ramener à la raison. Peut-être je devrais le faire. En tant que qui? Un conseiller? Parce que je suis inquiète. Ma chère, s'il te plaît, n'y pense même pas. Tu sais comment JC se comporte. Elle n'écoute personne, cette fille. Écoute, elle n'apprécierait même pas que Nelson nous ait parlé de leurs problèmes de couple, donc je pense que personne ne doit prendre part à ça, chérie. Eh bien, j'espère qu'elle ne va pas me repousser avec son mauvais caractère. Je l'espère vraiment. En fait, moi j'ai toujours pensé qu'elle pourrait changer, donc tu sais, j'ai toujours dit à Nelson d'être tolérant et patient envers elle, donc je pense qu'elle peut changer. Elle peut changer un jour, chérie. Espérons-le. Alors, qu'aimerais-tu avoir au dîner? Oh Seigneur, j'aimerais t'avoir au dîner. J'aimerais t'avoir au dîner, alors viens ici. Écoute-tu. Ah, tu es de retour. Peux-tu imaginer que tes deux idiotes de sœurs sont venues chez moi pour me menacer? Peux-tu imaginer? Bonsoir à toi aussi. Je parle de trucs importants, tu parles de salutations. Peux-tu imaginer tes deux idiotes de sœurs venir ici me menacer? Dans la maison de mon mari. Hein? Je pensais qu'une bonne femme donnerait d'abord quelque chose à manger à son mari et lui permettrait de se reposer avant de commencer à se plaindre. Je dois passer en premier dans ta vie, Nelson. Je dois passer en premier dans ta vie. Je te parle d'un truc très important. Tes sœurs sont venues ici pour me menacer dans la maison de mon mari. Dis-leur qu'elles ne peuvent rien faire. Oh, tu n'es pas embêté si les gens m'insultent. Dis à tes sœurs que si elles me tentent, je vais les frapper, je vais les écraser, je vais les presser, tu n'écoutes pas ce que je dis. Avance. Oh, tu t'en fous si les gens m'insultent. Oh, c'est ce que tu fais, tu t'en fous si on insulte ta femme. Si à toi que je m'adresse, qu'elle ne vienne plus ici. Sinon, je vais en finir avec elle, qu'elle ne s'approche même plus de cet endroit. Tu ne devrais pas prendre une décision radicale comme ça, mec. Ne t'en fais pas. Je pense que tu devrais lui parler et... être plutôt patient, tu vois, donc... Mike, tu ne comprends pas. C'est fini. C'est fini, je suis fatigué. J'en ai marre. J'appelle mon avocat pour commencer la procédure du divorce. J'en peux plus. Je peux plus continuer. Je t'assure. Peux-tu t'imaginer les dégâts qu'elle m'a déjà causés? Elle a chassé tout le monde autour de moi. Tout le monde. Ma famille, mes soeurs, elles peuvent plus venir à la maison librement. Mes partenaires, tout le monde. Et même l'autre jour, elle a appelé à mon bureau pour insulter ma secrétaire. Pourquoi? Qu'est-ce que cette fille lui a fait? Quoi? Cette femme est malade, tu comprends pas? Elle est folle. Pourquoi ne pas appeler sa mère ou quelqu'un qu'elle écoute? Elle n'écoute personne. Elle n'écoute personne. Elle est têtue. Et elle est folle. Dans ce cas, je pense que vous devez tous les deux voir un conseiller matrimonial. Il faut lui parler, mec. Mike, tu ne saisis pas. Elle n'écoute personne, même pas un conseiller matrimonial. Mon frère, je veux divorcer, j'en ai plus qu'assez. Je veux divorcer. J'en peux plus à la fin. Mais Nelson, regarde-toi, tu es devenu fou de rage. Parce que c'est enrageant. D'où est-ce que tu viens? Hein? D'où est-ce que tu viens? Je sais que tu n'es pas retourné au bureau après ta prétendue réunion avec ton prétendu client. Alors, d'où est-ce que tu viens? Quoi? Tu es allé là-bas, n'est-ce pas? Es-tu allé là-bas? Assez!
J'en ai assez de toutes tes conneries. Je ne vais plus tolérer toutes tes stupidités, compris? Oh, maintenant je suis stupide. Je suis stupide parce que je t'ai attrapé la main dans le sac. Je ne laisserai personne se mettre entre nous. Personne. Tu es celle qui détruit ton mariage. C'est toi qui détruis ta relation. Qu'est-ce qui va pas avec toi? Ne le vois donc tu pas. Toi, pourquoi est-ce que tu cries? Pourquoi est-ce que tu cries? Où est-ce que tu vas? Où est-ce que tu vas? Où est-ce que tu vas? Réponds-moi. Où est-ce que tu vas? Tu sais quoi? Je vais dormir dans la chambre des invités. Et à partir de maintenant, c'est où je vais dormir jusqu'à ce que je me débarrasse de toi. Tu ne vas jamais te débarrasser de moi. Non, c'est pour le meilleur et le pire. Nous allons mourir ici. Tu n'iras nulle part. Reviens ici. Où est-ce que tu vas? Reviens ici. Reviens ici. Sors de là. Tu ne vas jamais te débarrasser de moi. Nous allons mourir ici. Tu vas rester dans ce mariage. C'est pour le meilleur et le pire. Sors de là. Tu ne vas jamais te débarrasser de moi. Je suis ta femme. Oui, sors de là. Sors de là et dis-moi. Tu allais la voir, n'est-ce pas? Tu ne vas jamais te débarrasser de moi. Tu me traites de stupide à cause d'une autre femme. Reviens ici et réponds-moi. Toi et moi allons mourir ici. Non, belle-mère, je vais pas bien. Je vais pas bien du tout. Votre fille me rend parano, belle-mère. Elle est devenue une bête noire. Elle passe tout son temps à harceler mes employés et même mes amis. Elle est même allée jusqu'à insulter mes partenaires d'affaires. Belle-mère, je suis fatigué de ça. Je suis fatigué de son attitude. Non, 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 belle-mère. Non, non, non. C'est pas la première fois que je viens me plaindre de Jesse Chevaux. Je l'ai fait avant. Vous avez dit que vous allez lui parler, vous lui avez parlé et rien n'a changé. Mais belle-mère, je suis fatigué. J'en ai marre. Elle m'a épuisé. Elle me rend complètement fou. Écoutez, belle-mère, il ne s'agit pas de patience cette fois. Je vous l'ai dit auparavant, elle doit changer une bonne fois pour toutes parce que j'en ai plus qu'assez. J'en ai marre. J'en ai marre. Je vous en prie. Belle-mère, je vous appellerai plus tard. Merci. Au revoir. S'il vous plaît, faites juste ce que vous pouvez faire parce que je suis fatigué, je perds patience. Kings. Alors, que se passe-t-il? Chérie, je suis inquiète. Mon mari ne décroche pas mes appels. Je lui ai envoyé de nombreux messages, mais il ne répond à aucun d'eux. Est-ce que vous vous êtes disputé? Les trucs habituels, les disputes habituelles. Hein? Parce que j'ai insulté une stupide femme qu'il dit être sa cliente. Et il s'est vraiment énervé. Il est allé dans la chambre d'amis et il me menace de me quitter. Nelson a dit qu'il voulait me quitter. Est-ce que tu vois ce que je te disais? Je n'ai pas cessé de te dire que tu veux détruire ton mariage. Mais tu n'as pas voulu écouter. Je l'ai vu venir, mais tu n'as pas écouté. Pourquoi as-tu insulté la cliente de ton mari? Pourquoi? Chérie, cette femme n'est pas du tout sa cliente. Cette femme que j'ai vue n'est pas sa cliente. Il y a quelque chose entre eux. Ok. Alors donne des preuves. Qu'est-ce qui prouve qu'ils sont amants? Dis-moi. Chérie, je n'ai aucune preuve. Mais je l'ai vu. Je connais très bien Nelson. Il souriait, il était tout content, comme si tout... Il y a quelque chose entre eux. Jesse. Ton mari ne peut plus sourire? C'est quoi? Est-ce que tu connais la vérité? Je connais la vérité. La vérité, c'est qu'il y a quelque chose entre eux et il n'y a rien que tu puisses me dire. Mm-mm. C'est sa petite amie. Mm-mm. Ce n'est pas ça. La vérité, c'est que toi, mon ami, tu as un cerveau de poisson. Oui. Tu es tellement obsédé par ton mari et tu manques trop d'assurance. C'est ça. Donc, ton mari ne doit plus sourire avec une autre femme. Il doit être triste. Attends. Tu viens de me traiter de tête de linotte? C'est ce que tu es. Chérie, là maintenant, c'est ce que tu es. Tu me connais très bien, je dis ce qui est et je te vois comme tu es. Ces choses que tu fais commencent vraiment à m'énerver. Arrête ça, non? Chez moi? Oui. Pardon, chérie, sors de chez moi. Je ne pars nulle part. Tu l'as épousé à ma place? Je te dirai la vérité chaque jour et tout le temps. C'est pour ça que je suis ton ami. Chez moi. Je n'irai nulle part. Chérie, je ne pars pas. Tu es sûre? Ce que tu fais m'énerve vraiment. Mais quelle est cette histoire, non? Je ne comprends pas. Tu as épousé mon mari à ma place? Tu veux tuer cet homme? On dirait que notre célibat te plaît. Tu ne connais pas ce que tu vois. Tu vas bientôt venir chérie, me rejoindre. Sors de chez moi. Tu vas bientôt me rejoindre. Moi. Tu vas chérie, me rejoindre bientôt. Je ne pars nulle part. Pardon, viens sors me donner à manger. Tu me connais. Je veux manger du poulet. Tu sais que je suis folle. Va me chercher du poulet, je mange. Je vais empoisonner le poulet. maman. Maman, tu ne m'as pas dit que tu venais. Et pourquoi est-ce que je devrais te le dire? Hein? Pourquoi
te l'aurais-je dit? Comment tu vas? Pourquoi as-tu décidé de perturber ton mari? Pourquoi ne veux-tu pas donner la paix à cet homme? Maman, il est venu se plaindre. Oui, il l'a fait. Je t'ai toujours dit d'essayer de te calmer. Mais tu ne comprends pas. Une femme qui se querelle tout le temps pousse toujours son mari dans les bras d'une autre femme. Je n'ai rien fait, maman. Nelson me trompe. Mais pourquoi embêtes-tu ses amis et ses partenaires? Maman, je n'ai emmerdé personne. C'est juste une femme stupide qui essaie de me prendre mon mari. Jessie, combien de fois t'ai-je appelée? Maman, 3 fois. Je pense que tu dois demander des excuses à ton mari. Hors de question. Demande-lui pardon pour ça. Hors de question, maman. En fait, c'est lui qui devrait s'excuser de m'avoir trompée. Jessie, à bon entendeur, salut. D'accord. C'est bon. Qu'est-ce que je t'offre? Je n'ai besoin de rien. Je rentre chez moi. Non, tu ne peux pas partir. Tu viens juste d'arriver. J'ai des choses à faire. Je te conseille juste d'arranger le problème avec ton mari. Maintenant. Tu ne peux pas me retenir ici. Je dois partir. Tu viens juste d'arriver. Je reviendrai te voir. J'espère qu'il y aura la paix cette fois dans cette maison. Oui, et je resterai. Il y aura la paix, maman. Merci. À très bientôt. D'accord. Bye. Oh, laisse-moi t'accompagner à la voiture. Oui, pas de problème. Chérie, je sais que je t'ai fait du mal. Bébé, je suis désolée. Je suis vraiment désolée. C'est juste que je ne peux pas voir une autre femme à côté de toi. Je suis désolée, s'il te plaît. Écoute, cette femme, c'est ma cliente. Il n'y a rien entre elle et moi. Absolument rien, je te l'ai dit. Je suis désolée. Ne m'en veux pas, s'il te plaît. Tu sais que je t'aime beaucoup trop. Je ne veux pas te perdre. Mais tu n'es pas en train de me perdre. Écoute, tout ce que je veux que tu fasses, c'est d'arrêter de me harceler. Arrête ta provocation. Ça m'embête. Je suis désolée, d'accord? Je vais arrêter. Je le ferai. T'es sûre? Oui. Je t'aime. Je suis désolée. Je t'aime aussi. Je t'aime plus encore. Et si je te montrais à quel point je suis désolée? Ah, et comment tu veux me montrer ça? Viens. Ok. D'accord, je te suis. Alors, nous allons dans la chambre d'amis? Assieds-toi, je vais la chercher pour toi, d'accord? Merci. Ok. S'il te plaît, pourrais-je te parler pour une seconde, si ça ne te dérange sans pas? Sans souci. Ok. Je voulais te parler au sujet de mon amie, Jessie, ta femme. Oui, je sais qu'elle a vraiment été un casse-pied ces derniers temps. Et je comprends. Et je lui ai parlé. Mais la vérité, c'est qu'elle t'aime. Elle t'aime vraiment beaucoup et parfois, elle est tellement obsédée par toi. C'est juste ça. Elle m'a parlé des problèmes que vous aviez eus et que tu as refusé de prendre ses appels et de répondre à ses messages. Elle ne le fera plus, crois-moi, d'accord? Est-ce qu'elle t'a dit ce qu'elle a fait? Oui, elle me l'a dit. Et je lui ai dit qu'elle a mal agi. Mais fais-moi juste confiance, elle ne le refera plus. Elle a changé. Maintenant, elle sait qu'elle ne doit plus faire une chose pareille, donc ne t'inquiète pas. C'est juste parce qu'elle t'aime, c'est tout. Qu'est-ce qui se passe ici? Salut, quoi de neuf? Qu'est-ce qui se passe? De quoi parlez-vous tous les deux? Quoi? C'est mon ami maintenant? Ah. C'est maintenant mon ami qui... C'est quoi ton problème? Qui t'intéresse? Ah. Elle est venue me voir. Ce qu'un homme vraiment censé ferait, ce serait de venir m'appeler pour venir la voir et non rester là à discuter. Tu veux l'emmener à l'hôtel? Quoi? Arrête ça! Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? C'est comme ça que tu accuses ton mari? Hé, s'il te plaît, tais-toi. Tu le sais très bien, tu sais que je n'aime pas voir de femmes autour de mon mari. Vous êtes là à discuter. De quoi discutes-tu avec mon mari? Quoi? Tu veux me voler mon mari? Ça ne va pas marcher. Chérie,
Donc, je ne peux plus échanger quelques civilités avec ton mari? Quelle civilité inutile êtes-vous en train d'échanger? Depuis, j'ai entendu la sonnerie de la porte. Je t'ai entendu entrer. Vous êtes là à discuter. De quoi est-ce que vous discutez? Hey! De quoi es-tu en train de discuter avec mon mari? Quoi? Hey! Tu sais quoi? Que je ferme ma bouche, je porte mon sac hey, et je pars. Pars! Je n'ai vraiment plus rien à dire. Tu ne verras pas mon mari. Pars! Pars! Voleuse de mari! Pars! Ne dis rien. Porte tes problèmes et pars. Je vais couper les ponts avec des amis comme toi qui veulent m'arracher mon mari. Pars! Voleuse de mari. Tous les jours, je te conseille de te trouver un homme. Donc, c'est avec mon mari que je veux te consoler. Pardon, pars! Parlez. De quoi est-ce que tu parlais même avec cette fille? Hein? C'est de ça que je te parlais, mec. Regarde, comment tu trouves ça? Tu vois comment c'est beau? Nous avons beaucoup d'étrangers qui viennent en Afrique. Pourquoi c'est toujours ici? Je comprends. Bon, je ne sais pas, mec, mais... Bref, en passant... comment ça s'est passé, ton problème avec ta femme? Est-ce que vous avez fini par résoudre ça, finalement? Ma femme? J'ai cru que les choses iraient nettement mieux, mais... rien n'a changé. Rien n'a changé. Ça s'empire. En fait, j'ai parlé à sa mère. Sa mère a dit qu'elle allait lui parler, c'est ce qu'elle a fait. Elle est venue me demander des excuses. Je pensais qu'elle avait changé pour quelques heures, juste pour revenir à ses anciennes habitudes. Malheureusement, les choses se sont écorcées. Tu t'imagines que ce matin, sa meilleure amie ou sa plus proche amie est venue à la maison et elle a décidé de me parler. Quand nous parlions, elle est sortie et a commencé à m'accuser d'essayer de draguer son amie. Humiliant la fille. Oui, vraiment. Elle est sortie et a humilié la fille. Et la chose la plus drôle, c'est que cette fille, son amie me parlait d'elle pour s'excuser pour elle et me demandait de lui accorder une seconde chance. Non, mais pourquoi ta femme manquait-elle autant d'assurance? J'en sais rien. Comment peut-elle venir vous accuser tous les deux d'avoir une liaison quand même? Sa meilleure amie. Je pense qu'elle devient folle parce que le comportement qu'elle affiche n'est pas normal. Ouais, elle déraille complètement. C'est très impressionnant, c'est difficile à comprendre. Donc c'est ici que tu te caches. C'est ici que... Où est la fille? Où est la fille? Où l'as-tu cachée? Donc c'est ici que tu es, avec ce bon à rien que tu appelles ami. Où se trouve la fille? Où est-elle? Espèce d'abruti. Tu penses que je ne sais pas que c'est toi qui présentes des filles à mon mari? Où est la fille? Quoi? Qu'est-ce que tu fais ici? Tu veux présenter une autre fille à mon mari, n'est-ce pas? Qu'est-ce que vous faites ici? Qu'est-ce qu'il te raconte? Jessie, je pense que tu es en train de perdre sérieusement la tête. Parce qu'en fait, tu peux pas arriver ici, tu ne salues même pas quelqu'un. Et la première chose que tu fais, c'est de nous accuser d'être venu ici avec des filles. Donc je dois te saluer. Je dois te saluer, espèce d'idiot. Laisse tomber ce bon à rien. Je t'ai déjà dit de laisser tomber ce type. Reste loin de mon mari. Laisse mon mari tranquille. Reste très loin de mon mari. Laisse-le tranquille. Mec, c'est quoi cette histoire? De quoi est-ce que vous parlez même? Parlons, d'homme à homme. De quoi est-ce que vous parlez? Que se passe-t-il? Où est la fille? Comment va-t-elle? Claire ou noire? Oh, Seigneur. Allons-y. Mais parlez. La blessure n'est pas trop grave. D'accord? Elle ira très bien bientôt, d'accord? Merci, docteur. Dieu merci, c'est pas grave. Mais s'il te plaît, si je peux me permettre, que s'est-il réellement passé? Est-elle impliquée dans une bagarre? Je vous l'ai dit, docteur, ma femme est tombée et elle a cogné sa tête au sol. Elle ne bagarre avec personne. C'est juste qu'il est difficile à croire que une grande femme comme elle puisse juste tomber et cogner sa tête sur le sol. Excepté s'il y a de l'eau ou un liquide sur le sol. Donc tous les deux, vous devez faire plus attention. Parce que des accidents pareils peuvent conduire à quelque chose de plus dangereux. Merci, okay, d'accord. Merci, docteur, et je vous assure que nous allons faire plus attention. Vous comprenez, je vais la surveiller, je vais m'assurer que tout aille bien. Sans problème. Ok, d'accord. Eh bien, je vais devoir partir maintenant. Ok, merci, docteur. Prenez bien soin d'elle. Je pourrais pas vous accompagner jusqu'à votre véhicule. Ça va. Prompt rétablissement, ok? D'accord. Merci, docteur. Je suis désolé, ok? Est-ce que tu as des maux de tête?
Tu es mon mal de tête. C'est moi tes maux de tête. Si ceci te donne pas les maux de tête, alors là, je comprends plus rien. Ce truc tout seul doit au moins te pousser à te reposer. Au moins, tu seras à mesure de bien dormir. T'aurais dû voir comment elle est tombée et elle a frappé sa tête au sol. Je l'ai fait intentionnellement. J'ai juste déposé mon téléphone et j'ai versé de l'huile au sol. Je savais que ma femme n'allait pas résister à l'idée d'aller prendre mon téléphone. Et elle a fait. Elle est tombée dans mon piège. Regarde-toi, mec. J'ai tellement zen après ce que tu as fait. Tu devrais être fier de moi. Et si elle était tombée sur les carreaux et avait brisé sa nuque? Mec, tu n'as jamais entendu parler des gens qui sont tombés sur les carreaux, qui ont brisé leur nuque et qui sont morts. Allez, c'est pas la meilleure façon de la réprimander. Eh ben, j'ai pas pensé à ça cette façon. Tu sais, j'essayais juste de la faire réagir et de lui donner des leçons. Vivre avec cette femme, c'est l'enfer. Je te comprends, mec, ouais. Je te comprends, c'est mec. C'est dingue. Je te comprends. Mais fais-moi confiance, je te prie de ne plus poser ce genre de piège la prochaine fois. Ça pourrait très mal tourner, je t'assure, mec. Je comprends, je le ferai plus. Mais ce que je pense, c'est que... Tu sais, je pense que je devrais aller voir le parent. Leur faire savoir que leur fils se comporte très mal. Tu vois, j'ai essayé de le leur cacher, mais je pense que c'est le temps que j'aille les voir pour leur dire que j'en ai jusqu'au cou, je peux plus continuer avec ça. Ouais, je pense que c'est la meilleure idée. Il faut laisser ses parents lui parler en personne. Ouais, parce que c'est de trop, je le dis pas juste comme ça, mais je suis fatigué. Ouais, je crois qu'il est grand temps, donc sers-toi à boire, mec, ne laisse pas tout ça te perturber davantage. Bébé, je veux qu'on parle. Écoute, je suis occupé. Lâche-moi. À quoi es-tu occupé? À regarder la télé? Est-ce que la télé est plus importante que moi? J'ai besoin qu'on parle. Nelson, j'ai besoin qu'on... Écoute, femme, ne commence même pas avec ton attitude désagréable. Tu commences à dépasser les bornes, n'ose même pas. C'est toi qui te comportes comme un enfant. Je veux dire, qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Depuis que j'ai affronté cette cliente stupide que tu appelles amie, tu te comportes bizarrement. Tu as emménagé dans la chambre d'amis et tu ne me touches plus. Je suis ta femme, je ne suis pas en bois. J'ai besoin de toi, hein? Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? J'essaie de te parler, mais qu'est-ce que tu veux? N'essaye pas de me barrer la route, d'accord? Qu'est-ce qui ne va même pas avec toi? Bah tu t'es caché de là. Tu te prends pour qui à la fin? T'es malade? Bébé. 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 Oh mon Dieu. Daisy. Daisy. Votre femme semble très stressée. Sa tension artérielle est très élevée. On dirait qu'elle ne se repose pas suffisamment. Docteur, en réalité, ma femme a tout le temps du monde. Elle ne travaille pas, elle est toujours à la maison, donc... Je comprends pas pourquoi elle ne se repose pas. Peut-être qu'elle est émotionnellement stressée. S'il te plaît, si je puis me permettre, avez-vous des problèmes dans votre mariage? Docteur, c'est juste des querelles normales de couple, rien qui sorte de l'ordinaire. Est-ce que vous vous êtes disputé avant qu'elle puisse s'évanouir? Docteur, je montais à l'étage et elle était derrière moi comme d'habitude en train de se plaindre, râlant et hurlant en même temps de façon soudaine. Elle a arrêté de respirer et elle est tombée. C'est pourquoi je me suis précipité de vous appeler pour que vous veniez. Une chose est sûre, c'est que la femme peut rester à la maison toute la journée. Mais cela ne veut pas dire qu'elle a assez de temps pour se reposer. Ce dont elle a besoin maintenant, c'est d'un maximum de repos. Ok? C'est compris, docteur. Et rassurez-vous qu'elle prenne ses médicaments à temps, s'il vous plaît.
Je le ferai. Je ferai de mon mieux. Désolée, ma chérie. Comment va ta tête? J'espère que tu vas mieux. Je suis encore en vie. Eh ben, c'est bien que tu ailles mieux maintenant. Nous l'avons appris hier, donc c'est pour ça que nous avons décidé de venir te voir. Oui. Tu dois savoir que tu es mon problème. En fait, tu es mon principal problème. Tu penses que je ne sais pas que c'est toi qui présentes des filles à mon mari dans toute la ville? Qu'est-ce que tu dis, Jessie? Mon fiancé ici présent est un homme très responsable. Il ne peut pas influencer quelqu'un négativement, encore moins ton mari qui est son meilleur ami. Si tu ne le sais pas, Nelson est un homme de principe et il est vraiment responsable. Il ne pourrait jamais faire quelque chose pour te faire du mal. Je me demande pourquoi tu ne lui fais pas confiance. Est-ce que tu te regardes? Regarde comment ils utilisent le mensonge pour t'aveugler. Ouvre les yeux! Regarde-le, ouvre les yeux, cet homme. Tout ce qu'il fera, c'est te sucer, te presser encore, encore et encore, et après te jeter. Quitte-le! Pardon? Assez. D'accord? Le docteur a dit que tu dois te reposer, alors repose-toi. Tu en as besoin. Ton amertume et ta volonté de vouloir tout connaître, c'est ce qui t'a mis dans cet état. C'est toi qui m'as mis dans cet état. Toi, c'est toi le problème. Tu es la raison pour laquelle je crie. C'est toi mon problème. Tu veux que je meure? Je ne vais pas mourir. Dites-lui, je ne vais pas mourir. Moi, je ne vais pas mourir. J'ai 9 vies. Je vais rester ici et te regarder, toi et les filles avec lesquelles tu marches partout. Je ne vais pas mourir. Est-ce que je peux te rappeler que personne ici ne veut te tuer? En fait, c'est toi qui veux tuer ton mari en étant grincheuse de la sorte. Oui! S'il te plaît, il faut changer, Jessie. Et qui es-tu pour me donner des conseils? Qui es-tu pour me donner des conseils? Cette fille que tu trimbales partout, tu l'as épousée? Cet homme va te sucer, ensuite te jeter. Pardon? Tu ferais mieux de partir. Pars non, maintenant, pars! Laisse-toi. Ma chérie, pars! Il ne va pas t'épouser. Ça va, ne dis rien, bébé. Nelson, tu restes assis là, pendant que ta femme m'insulte. Mike, écoute. Écoute, je suis sincèrement désolé pour les insultes. Comme toi-même, tu l'as vu. C'est juste une infime partie de ce que je vis au quotidien. Tu te rappelles, je t'ai souvent dit que ma femme râlait et me causait des ennuis. Tu m'as dit d'être patient. Donc je te demande aussi, s'il te plaît, sois patient avec ma femme. Je suis navré. Je pense que nous devons partir maintenant, donc tu sais quoi, je vais te laisser gérer tes problèmes de couple. Ma femme et moi, on n'a pas besoin de patience, donc Mike. On va te laisser gérer tes problèmes de couple. Caro, à plus. Caro, à la prochaine. Il n'y a pas de souci, mec, ça d'accord, va. Sois juste patient avec elle, ça ira. Oh, patient, hein. Bien, j'espère que vous allez bien et que maman va bien aussi. Oui, grand frère. Super. Maman va bien. C'est bien. Désolé, grand frère. Désolé de n'être pas souvent venu la voir. Comment va-t-elle? Elle va nettement mieux. Dieu merci. Dieu merci. Ouais. Est-elle à l'intérieur? Oh, elle est... Oh, la voici. Coucou, Jessie. Comment vas-tu? Bonjour. Quoi? Vous aussi, vous êtes venu voir si je suis toujours en vie? Je suis très, très bien en vie. Non, pas ça. Nous sommes juste venus voir comment tu vas. Oh, ne me prends pas de haut. Je sais que vous ne m'aimez pas. Arrêtez de faire semblant. Nous ne te détestons pas. En réalité, nous t'aimons. Exactement. Comment vas-tu? D'accord, je vais très bien. Mieux que vous ne pourriez l'être de toute votre vie. Bébé, chérie, arrête. Elles sont juste venues voir si tu allais bien. Ne commence pas là. Elles sont venues me voir. Elles sont venues voir si tu allais bien, c'est pour ça ouais. qu'elles sont là. Oui. Voir qui? Y a rien ces deux-là qui veulent me jeter hors de la maison de mon mari, oh. Cela n'arrivera jamais. Je sais que tout au fond de vos cœurs, vous priez, espérez que je meure. Ça n'arrivera pas. Bébé, est-ce qu'on peut arrêter? Est-ce qu'on peut arrêter avec toutes ces accusations et être en paix comme une famille? Je savais que tu allais les supporter. Ne sont-elles pas tes sœurs? Je sais que vous vous êtes entendues pour ça et vous voulez me chasser de la maison de mon mari. Mais ça n'arrivera pas. Cette maison est autant la mienne que la tienne. Prendre rétablissement. Prendre rétablissement aussi. Hey, grand frère, ta femme ne changera jamais. Grand frère, comment t'en sors-tu avec ce genre de femme? Regarde-toi, tu as déjà l'air si stressé. Je prie juste pour que tu ne sois pas malade. Grand frère, est-ce qu'elle te nourrit même bien? Tu as vraiment fondu. Grand frère, si elle te donne trop de stress... S'il te plaît, dis-le-nous. Nous irons appeler nos amis.
et même maman. Et je suis certaine que nous la chasserons de cette maison. Oui. Ok, assez, assez. J'ai pas besoin de votre aide, compris? Mon foyer est sous contrôle. J'ai pas besoin que vous veniez faire quoi que ce soit. Ok? Je vous en prie, calmez-vous et tout ira bien. Tu en es sûr? Sûr? Nous nous calmons. Mais il faut nous appeler. Si quelque chose arrive, il faut nous appeler. Nous serons là rapidement. Je ne pense pas que j'aurai besoin de vous. Ça va. Les gars, je peux m'occuper de moi. Je vous remercie d'être passé pour voir ma femme. Au moins, vous lui montrez que vous vous en souciez. C'est assez. D'accord? Donc pas besoin de faire des scènes et surtout ne parlez pas de ça, maman. J'aimerais te parler. À propos de quoi? Je suis pas prête à te parler. Alors dans ce cas, écoute juste. Voilà, j'ai pris mon temps et j'ai évalué des choses en profondeur et j'en suis arrivé à la conclusion selon laquelle ce mariage ne peut plus marcher. En fait, c'est pas bien. Regarde-toi. Regarde comment tu es toujours stressé, épuisant ta force, à fouiner partout, à te curler et perdant ta voix. Et en plus, je vieillis, je rajeunis pas. Ma pression artérielle grimpe tous les jours, je veux pas mourir jeune. Alors j'en suis arrivé à la conclusion que, tu sais, ça ne marche pas. Que chacun de nous suive son chemin, c'est la meilleure chose pour nous. Quoi? Oui. Suivre quel chemin? Des chemins différents. Comment? Qu'est-ce que tu racontes? Quand tu jurais pour le meilleur et le pire, tu ne savais pas que c'est comme ça que ça irait? Tu n'iras nulle part. Nous sommes ensemble dans cette histoire, personne n'ira nulle part. Écoute, je vais contacter mon avocat et lui demander de commencer la procédure du divorce. Tu dois sûrement être en train de blaguer. C'est la meilleure chose pour nous. Tu es sûrement en train de blaguer. Tu n'iras nulle part. Nous allons mourir ici. Nous allons mourir dans ce mariage. Tu vas mourir, je vais mourir. Tu ne vas aller nulle part. Oh, moi, tu ne vas jamais te débarrasser de moi. Je te l'ai jamais. Dit. Pour le meilleur et le pire, tu as juré. Tu ne pourras pas te débarrasser de moi. Tu n'iras nulle part. Nous allons mourir ici, toi et moi. Nous allons mourir ici. Tu me fais perdre ma voix. Nous allons mourir ici. Tu ne peux pas me laisser. Tu ne pourras pas te débarrasser de moi. Docteur, comment va-t-il? Il va bien. La blessure n'est pas trop profonde. Ah, Dieu merci. Je vais vous donner une liste de médicaments à acheter pour lui, ok? D'accord, d'accord. Mais rassurez-vous qu'il les prenne. Hein? Oui, je le ferai. Madame, je suis tellement inquiet par rapport à votre famille. J'ai remarqué des traces de violence domestique dans votre famille. Est-ce que votre mari et vous étiez impliqués dans une bagarre? Non, docteur, non, rien de la sorte. Que s'est-il vraiment passé? C'était un accident, docteur. Je veux dire, j'étais à la cuisine, j'avais le couteau, je travaillais. Et puis soudainement, la lumière s'est éteinte. Et
La lumière s'est rallumée et j'ai constaté que j'avais poignardé mon mari. C'était une erreur. Ce n'était pas intentionnel. Ok, si vous le dites. Je vais devoir rentrer maintenant. Merci beaucoup. Rassurez-vous qu'ils prennent les médicaments, ok? D'accord, je vous enverrai la liste dans votre téléphone. D'accord. Bonne journée. Merci beaucoup. Merci. Tu es la seule à qui je peux parler. Écoute, je suis uniquement ici parce que tu avais l'air inquiète au téléphone. Je ne t'ai pas encore pardonné de m'avoir accusée de vouloir voler ton mari. Chérie, je suis désolée. Tu me connais. J'étais juste jalouse. Je suis désolée. J'ai vraiment besoin que tu m'aides, s'il te plaît. Alors, qu'est-ce qui se passe? Je n'ai pas vu mon mari depuis des jours et il a arrêté de prendre mes appels. Pourquoi tu ne vas pas à son travail? Va à l'entreprise, c'est un bâtiment et peut-être qu'il a juste décidé de... Chérie, je l'ai fait, il n'est pas là-bas. La secrétaire m'a dit qu'il ne vient plus au bureau. Quoi? Vous avez bagarré? Pas vraiment une bagarre, juste une petite dispute. Il voulait quitter la maison et j'essayais de l'arrêter. Je suis allée à la cuisine prendre un couteau. Je voulais juste le menacer et je l'ai poignardé par là. Quoi? Tu as fait quoi? Chérie... Tu as poignardé ton mari avec un couteau? Es-tu folle? Qu'est-ce qui t'arrive? Chérie, c'était une erreur. Ne vois-tu pas à quel point je suis désolée? Ah, chérie, non! Tu es allée trop loin cette fois-ci. Je sais. C'est pour ça que je veux que tu m'aides. Qu'est-ce que je fais? Ah, Dieu! Chérie! Ok, as-tu... Appelez les membres de sa famille. Appelle quelqu'un pour savoir si il est avec eux. Appelle les membres de sa famille. Je ne suis pas en bon terme avec eux. Ok, mais tu sais où ils vivent. Je sais, mais ils ne voudront pas me voir. Ça, c'est vraiment sérieux. Ok, qu'en est-il de ses amis? Je suis sûre que l'un d'eux sait où il se trouve. Appelle ses amis. Je connais juste l'un de ses amis. Mais je ne pense pas qu'il soit là-bas. Je pense qu'il est avec sa famille, avec ses sœurs ou quelque part. Ma puce. Ma chérie, je déteste dire ça. Je déteste te dire que je te l'avais bien dit. Je te l'avais dit. Je t'ai averti, mais tu n'as pas voulu écouter. Je t'avais dit que tu détruirais ton mariage de tes propres mains. Et regarde ce que tu as fait. Je ne comprends pas, chérie. Tu essaies de me juger? Je viens juste de te dire que je suis désolée. Ne le vois-tu pas? Je suis désolée. J'ai besoin que tu m'aides. Ok, ça va aller, ok. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Je ne sais pas, je l'aime vraiment, je ne veux pas le perdre. Regarde, j'ai changé. Je suis désolée. Qu'est-ce que je vais faire? Je dois réfléchir. Ok, Où est-elle maintenant? Je n'en sais rien. Mes belles sœurs, soyez les bienvenues. Je vais déposer ça ici. Cette fois-ci, tu es si aimable que j'espère que nous sommes en sécurité. Oh, oh. J'ai toujours été aimable. N'êtes-vous pas les sœurs de mon mari? Toi, aimable. Oh, ne dites pas ça. Jamais. Dis, où est notre frère? J'espère qu'il est à la maison. Hein? Notre frère. Je pensais qu'il était chez vous. Quoi? Je ne comprends pas. De quoi parles-tu? Je ne l'ai pas vu depuis une semaine maintenant et j'espérais qu'il soit avec vous. Serait-ce? Quelle idiotie racontes-tu? Tu veux dire que notre frère a disparu depuis plus d'une semaine et tu n'as même pas été fichu de nous le dire? Comment est-ce que je pouvais le savoir? J'espérais qu'il serait à la maison familiale. C'est ce que j'avais à l'esprit. Serait-ce? Es-tu certaine que tout va bien dans la tête de cette femme? Écoute,
Je sais que tu es méchante. Mais il est évident maintenant que tu es plus que méchante. Oui. Tu es sans cœur. Tu es terrible comme femme. Une méchante personne. Écoute, je te donne 24 heures. Je répète, 24 heures. Si je ne vois pas mon frère. Jesse, ou quel que soit ton nom, je te tuerai. Je te découperai. Oui. Je te découperai comme ça. Tu vois, je te donne 24 heures. Brouille. Doris, allons-y. Si dans 24 heures, je ne vois pas mon frère, elle est déjà morte. Allons-y. Ah, ah, ça m'étonnait qu'elle nous ait donné à boire. Je pense qu'il est grand temps de te priver du confort de ma maison et de reprendre le travail. Tu vas déjà beaucoup mieux, mec, sérieux. Et puis quoi encore, mon frère? Tu sais que Jesse va aller au bureau tous les jours pour me chercher. Et je souhaite pas prendre part à ces scènes stupides, tu sais. En plus, tout se passe bien au bureau. J'ai déjà parlé à l'avocat, il a déjà commencé la procédure de divorce. Donc tout ira bien. Je l'espère. En fait, Je me sens partiellement coupable pour tout ce que je suis en train de vivre, donc comme je te disais, toujours d'être patient et tolérant, je ne pouvais pas imaginer que ça arriverait à cet extrême. Allez, voyons mec, c'est pas de ta faute. Je savais que Jesse était une bombe à retardement le moment où elle a commencé à être extrêmement possessive. Mais voilà, j'ai pris ma décision, j'en ai terminé avec elle, je ne veux plus retourner avec elle, c'est bon, c'est terminé. J'en ai fini avec. Oh, putain Dieu, ça va aller, t'en fais pas. Tu voudrais boire quelque chose quand même. Oh, je veux pas boire. Oh, allez mec, tu as besoin de boire quelque chose, donc je reviens tout de suite. Tu dois boire quelque chose, mec. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu laisses la porte ouverte? Tu l'as laissée largement ouverte comme ça. C'est pas prudent, tu sais. Chérie, je n'ai même pas réalisé que la porte était ouverte. Chérie, je suis stressée. Je suis fatiguée. Je sais. Alors, quoi de neuf? Quoi à propos de ton mari? As-tu eu de ces nouvelles? Pas encore. Ses sœurs étaient ici plus tôt. Et elles ont dit qu'ils n'étaient pas chez eux. C'est en train de devenir sérieux. Alors, qu'est-ce que tu fais maintenant? Ok, qu'en est-il de ses amis? Duquel d'entre eux est-il le plus proche? C'est juste Mike que je connais. Et je l'ai appelé. Je l'ai appelé de nombreuses fois. Mais il ne prend pas mes appels. Qu'est-ce qui se passe? Mais tu connais la maison de Mike, n'est-ce pas? Ouais, tu as raison. Je soutiens complètement cette décision de sa part, cette fois. Oui. Tu t'imagines? Et si elle avait poignardé Nelson à mort? À Dieu ne plaise. Mon ami Nelson aurait quitté cette vie juste comme ça. À Dieu ne plaise. Je savais que ça allait se transformer en violence domestique. Tu sais, les personnes possessives sont prêtes vraiment à tout pour protéger leur partenaire. Jesse. Ma chère, ce qui me déconcerte le plus, c'est que la bonne dame soit venue jusqu'ici,
me supplie de parler à Nelson. Elle l'a fait? Tu sais, elle était tellement désolée. J'ai presque eu pitié d'elle. Et puis j'ai repensé à tout ce qu'elle lui a fait subir. Écoute, en fait, ne parlons même plus de ça. Parce qu'en fait, je pense qu'il a pris la bonne décision, sérieux. Jesse. Mais ce gars a enduré beaucoup de choses. Il a vraiment beaucoup supporté. Dieu merci, tu ne l'as jamais encouragé à ne pas divorcer. Ah. La violence domestique. Jesse. Et quand tu veux que tu es à l'intérieur, tu fais tes affaires, tu quittes ma maison maintenant. C'est okay, bébé. Tu sais, je lui disais que tu me reviendrais. Je lui ai dit qu'il ne pouvait pas partir. Tu vas à l'intérieur, fais tes affaires et sors de ma maison maintenant. S'il te plaît, bébé. Je ne peux pas me faire ça. Non, non, attends, nous devons arranger les choses. Je suis désolée. Je suis désolée pour tout ce que j'ai fait. Je suis vraiment désolée, s'il te plaît. Pardon. Je suis désolée, mon cœur. Je t'aime tellement. S'il te plaît, pardonne-lui. Elle n'arrête pas de pleurer. Elle ne mange plus. Elle ne dort plus. Ah, je te promets qu'elle ne le fera plus. Elle a changé. Oui, je ne respirais même pas. Je suis désolée. Je suis désolée, mon cœur. Je suis désolée, s'il te plaît. Écoute, je suis sûr que. Tu es sûr que je ne m'égayais pas quand je t'ai dit d'entrer, de faire tes bagages, t'es sorti de ma maison. Mais tu veux que je fasse ça pour toi? Ah, tu veux que j'aille à l'intérieur, j'ai pas de mes affaires, je l'ai déjà dit. D'accord. Non, je pense que tu blagues, chérie, je ne veux pas faire ça. Maman, c'était une erreur. Il voulait quitter la maison et j'essayais de l'en empêcher. Quel genre d'erreur cela pourrait être? Poignarder ton propre mari? Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Qu'est-ce qui t'arrive? J'ai essayé de te parler d'innombrables fois, mais tu ne m'écoutes pas. Tu es entêté envers toi-même. Je t'ai dit que je ne l'ai pas fait intentionnellement. Je voulais juste l'effrayer et je l'ai accidentellement poignardé. Oh, c'est parfait. Tu lui avais peur. Qu'as-tu récolté? Regarde comment ça finit. Que vas-tu faire maintenant? Comment une personne dotée de bon sens et de bonne moralité peut faire une chose pareille? Mais c'est ridicule! Poignarder un être humain comme toi? Oh mon Dieu! Maman, c'était une erreur. Une erreur? Ce n'était pas mon intention. Oui, c'est vrai. Mais comment l'expliquer au monde? Je ne savais pas. J'ai parlé, j'ai même supplié. J'ai fait tout ce qu'il y a d'humainement possible qu'une mère puisse faire. Mais tu as refusé de m'écouter. Maman, je te dis que je ne l'ai pas fait. Oui, je sais. Mais regarde où tu en es. Tu es retournée à la maison juste pour me perturber. Arrange les choses avec ton mari. Et puis tu ferais mieux de lui demander pardon. Mon fils, trouve la force dans ton cœur de pardonner à ton épouse, quel que soit ce qu'elle t'a fait. Je t'en prie, reprends-la. Belle-mère, j'ai pris ma décision. Je veux plus être avec votre fille. En fait, votre fille me ferait du bonheur. Cependant, elle est une menace pour son bonheur. Elle est une menace pour ma vie. Je sais que ma fille t'aime toujours. Depuis que tu l'as laissée, elle ne fait que pleurer. Elle ne fait que pleurer, s'il te plaît. Pardonne et oublie, je t'en supplie en son nom. Reprends-la. Belle-mère, je déteste dire ça particulièrement à vous, mais ma relation avec Jesse s'est terminée. Et je peux plus me remettre avec Jesse, belle-mère. Ah. Je peux pas. S'il te plaît, une dernière chance. Donne-lui une chance. Tu ne vas pas le regretter. Je te le dis. Vous ne comprenez pas. À Jesse, j'ai donné tellement de chances. Je lui ai donné tellement de nombreuses chances et elle a tout gaspillé. Ah.
Chérie, le fait que ton mari t'ait laissé ne signifie pas que tu dois te tuer. Qu'est-ce qui ne va pas? Regarde-toi. Tu n'arrêtes pas de pleurer. Tu as l'air négligé. Tu as l'air terne. Regarde tes cheveux. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu restes une jeune et belle femme. Qu'est-ce qui t'arrive? Regarde-toi. Regarde tes cheveux. Chérie, tu dois prendre soin de toi. Regarde-toi. Arrête tout ça. Tu es belle. Nelson m'a quittée. À quoi ça sert d'être belle? Oh, parce que Nelson t'a laissé tomber, c'est la fin du monde pour toi. Ce n'est pas la fin du monde, ma chère amie. Tu as besoin d'avancer. Quelqu'un d'autre peut venir. Une meilleure personne. Améliore-toi juste. Non, je ne veux personne d'autre. C'est lui que je veux. Mais il a dit qu'il ne veut plus jamais de toi. C'est ce qu'il a dit. D'accord. S'il ne revient pas, je vais me tuer. Tu vas te tuer. Ça veut dire que tu as perdu complètement. Parce que tu ne l'aurais toujours pas. Et même s'il décidait de revenir, tu n'auras plus jamais l'opportunité de l'avoir à nouveau. Mais tu l'as entendu. Tu l'as entendu quand il a dit qu'il ne voulait plus avoir affaire à moi. Tu as entendu quand il a dit ça. Mon petit cœur, tu dois regarder le bon côté des choses. Tu es encore très jeune. Tu ne peux pas continuer comme ça. Une meilleure personne viendra, hein? Viens à l'intérieur, prends ton bain et fais-toi belle. Tu sais quoi? J'ai préparé quelque chose de très délicieux. Quelque chose que je sais que tu vas aimer. Donc, ce que je veux que tu fasses, c'est d'aller, te laver et puis manger. S'il te plaît, plus de pleurs, je t'en prie. Mais il est dans mon esprit. Tu ne devrais pas. Voyons, quelque chose de mieux t'arrivera. Il faut croire. Thelma, tu sais que ton ami n'est plus blessé, alors que fais-tu là? Je sais, eh bien, je suis là pour te supplier, en son nom. Écoute, je ne peux pas supporter la regarder endurer tant de peine. Elle a vraiment mal. Elle a même commencé à perdre de l'intérêt pour la vie. La façon dont elle se comporte, je ne sais pas, elle semble suicidaire. J'ai peur qu'elle mette fin à sa vie. Je t'en prie, ne peux-tu pas lui accorder une deuxième chance? Merci. Merci infiniment de m'avoir pardonné et vouloir que les choses marchent encore entre nous. Merci. Je suis vraiment désolée. Je pense que tu dois remercier ta mère et ta meilleure amie, Thelma. Elles ne m'ont pas laissé en paix. Elles ont continué à me suivre pour se rassurer que je te pardonne. Et elles m'ont poussé à comprendre que tu as changé. Et que tu es une nouvelle personne. Oui, je suis une nouvelle personne. Je suis désolée. Je ne savais pas que j'étais en train de détruire mon mariage. Je pensais que j'étais en train de le protéger. Je t'aime vraiment, vraiment beaucoup. Et j'avais peur de te perdre. Mais je m'y suis mal prise. Je suis désolée. Je te promets que je m'y prendrai mieux cette fois. Tu ne vas pas le regretter. Je comprends. En fait, ce sera difficile. Parce que... beaucoup de choses se sont passées et beaucoup de choses sont arrivées. Je suis sûr qu'on fera marcher les choses. Oui, nous le ferons. Et notre amour redeviendra comme avant. Je vais m'en assurer. Que je puisse t'aimer comme je t'ai aimé. Oui, et je ferai en sorte que tu ne le regrettes pas. Oui, je le ferai. Je suis vraiment désolée. Ça va. Oh, c'est très beau, oui. Et je suis si heureuse. Mais s'il te plaît, ma fille, ne gâche plus ta relation. Et ne gâche plus ton mariage. C'est ta dernière chance de bien faire les choses. Non, je ne vais pas la gâcher. Promis? Hein? Ne gâche plus rien, d'accord? Et je t'appellerai tout le temps pour me rassurer. C'est d'accord? D'accord. Et tu pourras également t'arrêter à la maison n'importe quand. Mon fils, je t'en prie. Belle-mère. Tu ne le regretteras pas. Merci encore d'être venu la chercher. C'est moi qui vous remercie. J'espère que je ne le regretterai pas. Pas du tout. Et que Dieu vous bénisse tous avec beaucoup, beaucoup d'enfants. Merci beaucoup, belle-mère. Beaucoup d'enfants? Bien sûr que oui, c'est mon souhait le plus cher. Beaucoup d'enfants? Tu me tapes encore? Non. Je suis désolée. T'es navrée? Je suis navrée, mon mari. Mets-toi à genoux. Je suis désolée. Belle-mère, elle a changé. Ah, merci, Seigneur. Dieu soit loué.
Oh, Seigneur. Salut, bébé. C'est quoi le souci? Nous avons un problème? Oui, bien sûr. Depuis que tu as fait de Izemi ta priorité dans cette maison, je sais que vous passez du bon temps. Et vous vous moquez de moi. Mais pourquoi est-ce que tu veux faire de ça un problème? Mais depuis quand as-tu commencé à avoir des problèmes avec mon travail et mes collègues femmes au bureau? Écoute, tu ne peux pas me tromper. Je vous observe depuis un moment maintenant. Je sais que tu as une liaison avec cette fille que tu appelles ta collègue. Je n'accepterai pas que tu me trompes. Salut les gars, salut Caro. Salut, comment vous allez? Chérie. Tranquille, mec, tu vois, la forme. Je peux te voir un instant? Je ne sais pas ce que... S'il te plaît. Je ne suis vraiment pas d'humeur à parler à qui que ce soit maintenant. Fais-moi confiance, je ne vais pas perdre ton temps. Juste viens, chérie, tu dois venir. S'il te plaît, juste une minute. Chérie, on se voit après, d'accord? Que se passe-t-il? Pourquoi ta femme est si fâchée? T'as fait quoi? Elle est devenue paranoïaque. Elle pense que j'ai des liaisons avec mes collègues femmes au bureau. Et ça commence vraiment à me faire chier, je t'assure. Arrête, baisse ton... Elle vous pète, mec. Et je sais bien que je ne peux pas te penser. Je sais, mais tu dois être patient. D'accord? Chérie, ce que tu as fait n'est pas bien. Écoute, je dois être honnête avec toi. La façon dont tu as parlé à ton mari n'est pas correcte. Tu ne dois pas lui parler de ta sorte. Écoute, j'apprécierais beaucoup que tu ne te mêles pas de mes affaires. Tu es mal placé pour me donner des conseils. J'ai le droit. Oui, parce que j'ai vécu ça. J'ai connu ça, cette contrariété, tout. Et je l'ai appris à mes dépens. Ton cas est assez différent du mien. Non, ça ne l'est pas. Oh. C'est comme ça que ça commence. Tu commences à t'énerver pour rien, tu commences à hausser le ton. Tu voudrais contrôler ton mari et la prochaine étape, tu voudrais contrôler tous ses mouvements. Tu connais les femmes avec la jeune fille, si elles commencent à être jalouses de la sorte. Sois patient, ok? T'avais l'habitude de me parler par rapport à la patience. Écoute, ma chérie, crois-moi, je sais exactement ce que je fais. Calme-toi. Fais-moi confiance. Calme-toi. Calme-toi, d'accord? Juste relax. Je veux dire, tu as dit que ton mari était le meilleur et qu'il était responsable. Oui, je comprends, mais il y a cette collègue avec qui il discute tout le temps, qui l'amène à m'oublier complètement. Dis-moi si ce qu'il fait est juste. Calme-toi, chérie. Je suis sûre que tu peux lui en parler. Je suis sûre qu'il a une explication. Tu sais, dans un mariage, quand on a des problèmes, quand on ne comprend pas quelque chose, on en parle. Laisse-le t'expliquer. Trouver une solution. Tu n'as pas besoin d'être comme ça. Je ne veux pas que tu détruises ton mariage. Tu sais ce qui m'est arrivé, n'est-ce pas? Calme-toi. Calme-toi, chérie. Parle-lui. Calme-toi, Mike. Calme-toi. Mec, je pensais qu'elle était plus mature. Je sais. Je ne l'aurais jamais épousée si elle m'avait montré ce visage, mec, je te jure. Je sais, Mick, mais c'est ta femme, alors sois patient. Sois juste patient. L'adorable et délicieuse Caro. Assieds-toi, bébé. J'espère que t'as fait ton tour. Oui, je l'ai fait. Très bien. Regardez les bébés. S'il te plaît, je suis désolée. Tu ne me donnes plus l'attention que tu avais l'habitude de me donner. Je suis devenue jalouse. Pardonne-moi d'avoir réagi de la sorte, je suis désolée. Allez. S'il te plaît, pardonne-moi. Je suis désolée. Oh mon Dieu. T'as vraiment fait ton temps. Allô, je suis fier de toi. Je suis très content de t'avoir récupéré. Ouais. Allô. Et c'était pas ce moment dans la chambre, tu sais. Allez. Maintenant, je vois ton travail. Tu sais que t'as vraiment fait du bon travail. Je regrette pas t'avoir repris. Je regrette pas t'avoir repris. Je sais que tes amis m'ont posé du temps, mais pour finir, arrête ça. Je t'ai fait douter de moi, d'accord? D'accord, chérie. Écoute, je ne vais jamais te tromper. J'honore et je respecte tout ce que nous avons eu à faire. Je t'aime tellement, Caro. Je t'aime aussi. Je t'aime.
là là, est-ce que je peux être prêtre? Je vais vous signer pour le mariage. Allez, on sent les bagues. Ça va acheter les bagues. Déjà.